Salut, c'est Ariane du blog Travail tout ça et aujourd'hui on part pour la journée à Singapour. Donc on vous amène avec nous et on vous fait découvrir cette ville là. Et je pense que c'est ma première vidéo en ville. Alors on va voir quelles petites aventures vont nous arriver. Ok, alors comme vous pouvez l'entendre, peut-être il y a un problème avec le bus. C'est très rassurant. Le monsieur était vraiment trop gentil, il m'a demandé comment dire bonjour en français. Ce genre de question amusante qu'un douanier pose pas habituellement. Et là, on cherche notre bus, parce qu'en fait on prend un bus, on passe les douanes malaisiennes, on reprend le même bus, ensuite on passe les douanes de Singapour et on remonte dans le même bus, normalement. Sauf qu'on sait pas du tout où est notre bus. Voilà. Sato. Alors on vient de passer les douanes de Singapour. Ouais, c'était ça que je cherchais. On vient de passer les douanes de Singapour et on a attendu très longtemps, mais on a bien passé les douanes et là on attend notre bus. Et mine de rien, on pensait que ça nous prendrait peut-être une heure passer toutes les douanes avec le bus, mais ça fait 3 heures, presque 4 heures qu'on est parti de l'hôtel. Voilà. On vient d'arriver à Singapour, ça c'est nos premières vues et on va aller voir la mosquée qu'on aperçoit et après ça aller manger parce qu'on a très faim et qu'il est vraiment l'heure de manger, il est au moins midi 20. J'ai quand même faim, j'ai tout le temps faim, voilà. Un François heureux? François avec la nourriture, toujours heureux. Pas cher. Hein? Et ça, c'est mon repas. C'est. Je me rappelle plus du nom. Nasi Lemba. Nasi Lemba. Nasi Lemba. Quelque chose comme ça. On va voir si c'est. The Reebok Spartan Race is the world's leading. Voilà, c'est la fin de notre vidéo, donc des quelques heures qu'on a passées à Singapour. Une très belle expérience, j'espère que vous aurez aimé la vidéo et que tous les jeux de lumière le soir rendront aussi bien que ce qu'on a vu en vrai. Maintenant il nous reste pas mal d'heures d'autobus et de frontières à passer avant de se retrouver dans nos lits. Mais voilà, c'est la fin du vlog, plein de bisous et notre prochaine étape est l'île Tioman en Malaisie.